Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Exa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui une vidéo assez spéciale vu qu'on se retrouve sur la map The Wild West Warrior. Alors c'est une map juste énorme, donc j'ai regardé le script bien évidemment hein, sur minecraft.fr. D'ailleurs la map est dans la description au cas où vous vouliez venir faire un petit tour, c'est une map assez sympathique franchement. Donc du coup voilà, j'ai fait les petits pré-réglages, tout ça, j'ai installé le pack de textures de la map et on va tout de suite commencer. Alors pourquoi donc de première vue, et ben j'ai vraiment adoré cette map. Donc déjà, voilà, la map est en anglais, donc du coup je vais faire mon possible pour vous traduire ça. Voilà, je vais faire mon possible tout simplement. Mais c'est une map en soi un peu une capture de drapeau. Donc du coup ça risque d'être cool. Ok, donc le shérif veut te parler. Ah d'accord, c'est lui qui me parle. Donc on os bien évidemment. Hop, voilà. Donc du coup, oui, donc voilà, la map va beaucoup plus car ça va être quelque chose où il va falloir capturer des terrains pour agrandir sa ville. Alors je compte pas faire la map en entière, hein, parce que bon, plus de 2 heures. Donc voilà, donc ça sera une petite vidéo découverte d'entre 20 minutes, 30 minutes je pense. Donc voilà, et on a bien évidemment 3 armes assez particulières, 3 armes où on va pouvoir un petit peu choisir qu'est-ce qu'on veut faire, notamment ben, les couteaux de lancer, donc ceci, hein, voilà, donc pour jouer un petit peu plus secret bien évidemment, parce que ben, si on se fait repérer dans les clans, on va dire dans les autres bases, et ben ils appellent des renforts, tout ça, enfin c'est le full bordel. On a également un tomahawk et une carabine, voilà, donc c'est plutôt cool, hop, des munitions. Très bien, ici il n'y a rien, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, ici on sort, très bien. Donc voilà, donc on va essayer de fouiller la ville de base, très bien. Oh, on a un cheval. Oh, mais ce ne serait pas le plus beau. Et il va vite en plus, hein. Pas mal, on reste ici mon petit. Hein. Hop, ici, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok. Ah, ok, d'accord. Ok, donc lui c'est le shérif. Très bien, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, oui, donc normal, c'est la... C'est là où ils mettent les prisonniers. Alors là, la région a un problème. Okay, donc on peut pas monter là-haut. Hop. Bon, on part un peu. Hein. Il continue de nous raconter sa vie. On est plutôt content. Donc la région a un problème apparemment. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Je ne sais pas. Hop. Ici. Ici, il n'y a plus rien. Très bien. Hop. On va redescendre. Alors là, ils sont en train de faire une grande discussion. Je parle pas assez bien anglais pour... Pour vous dire qu'ils s'y disent, mais ça m'a l'air quand même fort important. J'ai juste compris qu'il y avait un problème dans la région. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, là ils nous apprennent un petit peu, donc ça c'est méchant. Très bien, donc on a un tomahawk pour pouvoir sauter sur les gens en mode balèque. Très bien, très bien. Hop, comment on sort de ça? Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça c'est pas mal comme principe, j'aime bien. Hop, on va monter là-haut. Est-ce qu'on a regardé? Oui, on a dû déjà regarder. Ah putain, d'accord, j'ai déjà perdu un cœur. Je suis pas bien. Hop, du coup, libéral. Non, je sais pas trop ce que c'est. Hop, on va du coup retourner. Hop, voir le shérif. Là-haut, il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. Hop, on redescend. Est-ce qu'ici, il y a quoi? Non, ici, c'est juste pour. Oh, on a déjà une sorte de petite. De pont là-bas, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ok, très bien. Bon, du coup, on a un petit couteau lancé plutôt sympathique. On a Pedro qui est juste ici. On va lui redonner ça, ce truc, parce que bon, à un moment donné, il y en a marre. Et on peut monter ici, très bien. On avait vu le petit coffre, hein. Hop. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est notre équipement. Et on a. Et on a un petit casque. Un petit truc, on est plutôt content. On a des munitions, pas mal. Et dans celui-là, on a rien. D'accord, très bien. Donc, oh merde, putain, j'ai encore perdu un cœur, c'est pas bien grave. Alors, est-ce qu'il va encore nous dire quelque chose? Non, ils sont balèques. Très bien. Hop, Pedro. Hop là, donc lui, ça sera Pedro. Hein. Donc, très bien, on va essayer de sortir. Ok, alors on a plusieurs endroits. Ça aussi, plutôt important. Donc, la ferme, le fort. je ne sais pas trop ce que c'est. Un camp, les mines. Et par où ça se regarde comme ça, le village désert et le plateau et le shooting range. Très bien. Bon, je propose qu'on aille vers là-bas, je pense, vu qu'il y avait déjà un petit pont. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus dur. Je pense que le fort, ça doit être quand même le niveau final, on va dire. Donc on ira peut-être le faire après. On va déjà faire 2-3 petits camps comme ça. Hop, donc donc là on a une sorte de chemin, on va essayer de le suivre. Très bien, donc on peut voir également que la map est vraiment très très belle. Bon, j'ai pas mis les shaders, c'était recommandé, mais bon, hein, voilà, tant qu'à faire, autant que ce soit plutôt fluide. Voilà, on va privilégier que ce soit fluide. Ok, ici on a une sorte de... Ok, là-bas on a une montagne K-pop. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, ok, donc là on a une nouvelle intersection, donc le fort où Mainton c'est par là-bas, ouais, donc ça c'était notre ville de base, et la ferme, ok, donc la ferme c'est là. Ok, alors, est-ce qu'on laisse Pedro? On va laisser Pedro par là, parce que ça peut être risqué. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre en fait des ennemis, on verra bien. En tout cas, le pack de texture est juste super stylé. Vous pouvez voir le tour. Ouh là là. Et lui, il nous a pas capté. Très bien. Donc, ça, c'est un méchant. Donc, vous voyez, ouais, ça, c'est une ville ennemie. Vu qu'il y a un drapeau qui est pas le nôtre quand on a spawn. On aurait pu remarquer un petit dans les. Pour ceux qui en auront remarqué, tout simplement. Ok, donc là-bas, on a un petit bug. C'est parce qu'ils nous ont dit de mettre en 8 chunks. À mon avis, ça doit un petit peu avoir des conséquences. Ici on a un coffre avec un gilet. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non. Hop, regardez, on est tout beau. Ok, alors est-ce qu'il nous a vu? Oh putain. Je crois qu'il nous a vu. On va essayer de le tuer discrètement. Est-ce qu'il vient? Il nous a pas vu. Pour l'instant il s'est encore un passé. Oh putain. Tout peut partir très vite les gens. On va le fracasser. Ok, personne l'a remarqué, ou est-ce que c'est juste que ça dit rien en fait? Très bien. Bon, pour l'instant, personne ne sait. Le mec a déclenché aucune alarme ni rien. On va monter là-haut. Et là, on a un couteau de lancer. Très bien. Donc, bon, on a niqué un couteau de lancer, mais on en a un autre. C'est plutôt cool. Je pensais pas que. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont remplacé comme item pour le couteau. La carbine, ça doit être l'arc et ça l'épée. Au point. À mon avis, là, on va se faire opérer. Non, ok, non. Ok, alors je sais pas si Deathransnix ça. Ouh là 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 là. Là, je vais être obligé de tirer les mecs, hein, non. Ok, il est mort. Très bien. Ok, donc pour l'instant, c'est toujours pas faire opérer. Si on a, il va prendre le camp sans se faire opérer. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Je sais pas trop. En soi, là, non, on n'est pas repéré parce qu'ils auraient appelé les renforts et tout. Une boîte là. Ah putain, ok, d'accord. J'ai été détecté. Aïe aïe. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Il a mis un poison, il a mis quoi? Je sais pas trop. Ok, bon, j'ai été repéré. Ah, c'est lui là qui me fracasse. Ah ouais, c'est lui là. Oh putain, il fait mal. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est-à-dire que le mec, c'est le genre de mec qui rigole pas trop lui. Ok, alors attendez, on va attendre parce que les renforts vont arriver. Je sais pas trop où ils sont. On va les attendre par là. Où est-ce qu'on y va? Allez, on va essayer d'y aller. Je ne connais pas trop, je sais pas comment ils vont arriver. Au pire, ça sera un fail. Ok, alors on n'a pas encore pris de camp, il reste forcément des gens. À mon avis, c'est les renforts, ils se sont perdus en chemin, je sais pas. Ça a bien mis, hein, on est d'accord que ça a activé les renforts. Ah non, attendez, il y a quelqu'un là-dedans. C'est lui qui doit s'en occuper, je pense. GG. Ok, donc j'ai libéré la ferme. Très bien. Et on retrouve Pedro. Bah, du long, alors ça, c'est pas bien. Et eux deux, là, ils servent à quoi? Ok, donc ils vendent de la peau d'ours. Très bien. De la peau de loup. Pour avoir des espèces de petites gourdes. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Et ceci pour avoir une smoke bomb. Alors, ça a l'air assez what the fuck. Mais bon, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, la ferme, hein, je pense que bon, c'était quand même le truc le plus simple. Le ferme, alors, est-ce qu'on. Ouais, non, on va peut-être pas aller au fort tout de suite, les mecs. Faut déconner, on va aller shooting range, je pense. Ouais, parce que ça, c'est la ville de base. On va aller à shooting range. Donc, c'est par logique là-bas. On va suivre le petit chemin. Hop, donc du coup voilà, bon, une map vraiment très très belle. Du coup, ouais, je disais que les chunks, il faut pas mieux l'augmenter, je pense, parce que vous voyez, il y a beaucoup de feuilles, et donc du coup, ça risque de pas mal bugger. Déjà, j'ai mis en fast, parce que sinon, ça allait peut-être pas être forcément fluide. Qu'est-ce que c'est que ça, The River? Ah, on peut aller à la rivière, ou on peut aller. Non, on va continuer vers Shooting Range, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ok, donc ça, c'est les panneaux, mais c'est pas comme on a vu. Donc ça doit être qu'on est en territoire des animaux, je pense. Hein. Je pense, hein, voilà. Je ne sais pas trop. Hop, on va continuer par là-bas. Hop, au galop. Vite, vite, vite. Alors, je sais pas où c'est. Du coup. Ah,
Attendez. Ah ouais, ok, c'est là. Bon, on va relaisser Pedro encore une fois. Ou est-ce qu'on y va en mode bourrin cette fois? Allez, on y va en mode bourrin. On verra bien. Hop. Du coup, bah, ils ont appelé les renforts, mais je sais pas trop où, ils étaient un peu perdus. On va essayer d'y aller en mode gros, gros, gros bourrin. Merde. Ce serait mieux de lui tirer dessus. Aïe, aïe. Oh, il m'a mis trop cher. Je sais pas ce que c'est ça. Oh putain, merde. Ils ont appelé les renforts. Ah ouais, ok, donc ça va être chaud. Est-ce que je vais tirer dessus? Non, on va descendre de Pedro. Normalement, si on lui saute dessus comme ça. Ah d'accord, nickel. D'accord, donc ça a juste pas du tout marché. Très bien, alors où est-ce qu'on est là? Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça? Ah ok, d'accord, donc c'est la map mais en plus petit. Et on s'est fait démonter. Le mec nous a juste one shot en fait, nous a pas respecté. À mon avis c'est un peu de la merde comme, équipement ça. Très bien, donc le fort, Bear Territory, mon dieu. D'accord, donc le territoire des ours. Bear Territory, très bien. Zertan, très bien. Et bah écoutez, c'est plutôt bien. Donc là, on était ici au début. Ok, donc ça, ça doit être le petit point. Ah, regardez. Ouais, voilà, The Farm. Et on est allé là-bas. Et on peut aller là-bas également, je pense. Ok, donc est-ce qu'on peut. Wolf Territory. Ok, donc on est passé dans le. D'accord, on est passé dans le Wolf Territory, mais on n'a rien vu. Shooting Range. Ok, donc c'était ici. What the fuck, pourquoi on apparaît là? Ok, alors est-ce que mon cheval s'est fait buter, je pense. Il a dû passer à la casserole. On va redescendre. Je sais pas trop. On va redescendre un peu. Comment redescendre de cette connerie sans perdre de vie? Hop, on va redescendre par là. Alors là, on a pas mal de trucs. Alors je sais pas, ils ont déserté le camp. Où est-ce qu'ils sont partis là? Bon. Mais écoutez, je ne sais pas trop. À mon avis, ça doit pas être un énorme territoire non plus qu'ils ont, eux. Attendez, là on a. Ah, ok, donc là on a le full stuff. Ouais, non, par logique, on devrait être arrivé par là. Donc c'est pour ça qu'on avait du stuff. Bon, et bah écoutez, très bien. Alors, je sais pas trop où sont les gens. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a? Ah oui, ça veut dire qu'on l'a. D'accord, on l'a. Donc on a eu l'endroit, mais vu qu'on est mort, à mon avis, bah, on n'a pas de PNJ qui vont venir tout de suite. Et on a perdu le cheval surtout. Donc ça c'est plutôt dérangeant, mais c'est pas bien grave, on va retourner là-bas. Donc on va aller, on va retourner vers la ferme, je sais pas trop où est la ferme. On était passé dans le Wolf Territory, mais on a rien vu, on va essayer de voir un peu mieux. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste une pancarte, j'ai cru voir un loup. J'aimerais bien voir, alors est-ce qu'ils sont agressifs d'un coup? Enfin direct quoi. Ah, ok d'accord, donc oulala. Ils sont beaucoup, alors normalement ils sont gentils de base, est-ce que... Ah non, ils sont gentils de base, ok, très bien. Alors attendez, parce que ça donne de la peau. D'accord, il a pas capté qu'on vient de niquer son pote. Hop. Ah, est-ce qu'on peut tous les fracasser un par un comme ça? Ah, quand on one shot les loups, ils s'en foutent. D'accord, c'est juste quand on... Voilà. Normalement là, ouais voilà, là ils sont énervés. En gros, quand on one shot leur poteau, ils s'en battent les... Aïe. Putain, il m'a fait une... Un petit coup, très bien. Bon, bah, les chiens, un peu nuls, hein. Vraiment. On va pas se le cacher. Voilà. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, oui, ça c'était le premier panneau qu'on a vu. Eh, mais on était juste à côté, alors c'est à dire que les loups étaient là. Enfin, je pense qu'ils doivent bouger, hein, donc voilà. Ok, donc là, on a des champs de fleurs, on sait pas trop. On va continuer par là-bas. Ok, oh merde, je peux pas courir, ça c'est pas good. On va continuer un peu en marchant. On va continuer par là. Normalement les PNJ donnent de la nourriture, il me semble, hein. Je suis pas sûr, on va aller voir. Ah, on a Pedro. Bah attendez, si on a Pedro, c'est bon quoi. Clairement on est content. Toi monsieur. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, don't touch. Oula putain, excusez-moi monsieur. Je sais pas ça. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. J'ai ça si tu veux. Ah ouais, alors là, nickel, tu m'as donné... Ah, d'accord, nickel. Ah ouais, alors là... Est-ce qu'on peut boire ça? On peut même pas le boire. Nickel, donc le mec m'a juste arnaqué, quoi. Il m'a juste donné un truc vide. Oh putain, ok, d'accord. Allez, on y va par là, du coup, on va voir. Fort, nanana... Est-ce qu'on va au fort? Est-ce qu'on n'ira pas voir les ours, d'abord? Parce que les ours, ils leur donnent de la nourriture, les petits gens. Alors que ça, en fait, il m'a juste donné un truc vide, en fait. Donc clairement, je suis un peu déçu, quoi. Ah mais il est moins rapide ce cheval. Ah non, c'est pas notre cheval. Bon tant pis. On va continuer vers là-bas. On va essayer de tourner autour du fort sans se repérer.
Parce que bah, le but n'est pas de mourir maintenant, j'ai envie de dire. Et avance s'il te plaît, merci. Putain, il est pas très rapide, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est le fort. Non, on va aller au territoire des ours du coup. Mais putain, j'ai l'impression qu'il s'arrête des fois, alors, tu sais, limite le gros cheval lourd. Ok, alors bon, apparemment il y a personne. Je sais pas trop. Alors le territoire des ours. On va essayer de voir un peu. Alors normalement c'est par là. Alors autant dire que si on voit des ours, enfin normalement les loups ils sont censés nous bouffer aussi. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont remplacé. On va bien voir. Je sais pas trop où ils sont. Je voulais voir un peu. Les ours. Ah, à mon avis ils sont pas là les ours. Hein. Je sais pas où ils sont. Normalement s'ils sont à côté du panneau c'était par là. Hein. Là si c'est indiqué comme sur le panneau de base. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop. Je sais pas trop où sont les ours. Du coup on n'a pas de nourriture et est-ce qu'on n'irait pas tenter le fort sans nourriture? Ça m'a l'air d'être une mauvaise idée. Ah d'accord, il court plus vite maintenant. D'accord, le cheval, voilà. Il a pas trop le temps. Des fois il va lent, des fois il va vite. On sait pas trop. Hop, on va redescendre. Oups. Ok, j'ai cru voir la vie de Pedro descendre. Mais non, mais Pedro. Bon, ok, Pedro qui aime bien faire des petits moonwalk apparemment. Ok, alors par là. Mais il s'arrête des fois, Pedro. Et je suis heureux. Oula. Pff, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Non mais attendez, là les mecs, là il y a un problème, on est d'accord. Mais avance là, putain. Attendez, on va essayer de le fracasser. Oh putain. Oh mais il met trop tarot. Oh le mec, je l'ai... Hein, le truc, je l'ai trop mal jugé, il m'a fracasse. Ok, bon bah très bien. Non mais putain, il avait vraiment une gueule trop chelou. Mais pousse-toi, toi. Ah, est-ce qu'il va plus vite lui? Ok, il va plus vite. Bon, est-ce qu'on ira pas voir un petit peu notre ami l'ours? On va aller voir. C'est n'importe quoi les mecs. L'ours c'est un zombie, tu sais. Oh putain, mon dieu. Le jour où tu vois un ours se déplacer comme ça sur ses deux jambes, bon, il y a un petit problème. Hein. Ok, bon, bah l'ours, de toute façon... Bah non, mais de toute façon on a de la bouffe. Bon, allez, on a de la bouffe, on vient d'origine. Du coup, on va aller directement au fort. Parce qu'à mon avis, ça a l'air d'être un truc assez énorme. Donc, vu que j'ai envie de vous le faire voir, je sais pas combien de temps ça va durer. Ok, donc le fort est juste ici. L'ours qui nous a suivi en mode balèque. Oh putain, mon dieu. Je crois qu'il est là-bas. Hein. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on peut... Ah, mais non, ouais, non, vu que c'est un zombie. Ça aurait été drôle de faire rentrer l'ours et qu'il bute tout le monde. Mais bon, à mon avis, c'est pas possible. Hop. Vu que c'est un zombie, ça doit être un zombie villageois ou au contraire. Oula. Vous voyez, lui, là? Déjà, si, il me voit pas, non? On va essayer de faire un assassinat au Tomahawk. Oh putain, il s'en est battu le cul. Ok, d'accord, donc j'ai été détecté. Là. Non, mais. D'accord, il y a d'autres ennemis qui vont arriver. Aïe. Bâtard. Oh putain. Ok, alors attendez, là, les mecs, c'est la full merde. Ok, lui il était un peu bugué, on sait pas trop. Ok, alors je suis tombé, j'ai complètement loupé ma surprise. Hop, alors s'il va être le plus dur, ça va être le mec à la calache là. Parce que les mecs au calache. Oh non! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça? Oh putain. Ok, est-ce qu'on a l'abri ici? Pour l'instant, oui. Oh! Oh! Attendez! MDR, la moustache. Attendez, lui là, on va le tuer avant qu'il nous baille. Aïe, bâtard. Ah, on a deux balles, putain merde, je les aurais utilisées si j'aurais su. Grave. Ouh là là, attendez, lui. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, on a à peu près le contrôle, pas du tout. On va essayer de récupérer toutes les balles. Oh là là. Pff, merde, il arrache le cheval quoi. Est-ce qu'on peut aller directement au fort? Oh merde, j'ai une guerre. Ok, on peut y retourner direct. Ok, donc c'était plutôt violent. Ils sont plutôt violents au fort. Tant dire qu'il faut pas rigoler. Est-ce qu'on peut
ça à quoi ça? On va rien casser hein, en aventure bien évidemment. Je crois que ça allait ouvrir la porte, ça aurait été assez stylé de rentrer avec le cheval. En soit on peut le faire rentrer par là hein, je pense le cheval. Ok bon, on en a quand même tué pas mal. Hop, lui on le tue. Ouais, non mais j'ai... Ok. Ok. Aïe, attends, putain, ils font tellement mal eux. C'est le mec au corps à corps en fait hein, qui font vraiment trop mal. Ok bon. Ce qui est bien c'est que les couteaux ça one shot parce que je sais pas, ça... le mec il se le prend, il est pas bien. Oulala, oulala, oulala. Il arrive à beaucoup trop. Genre une smoke bomb, putain ça aurait été tellement, tellement lasse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme armure également. En tout cas ils ont... Ah, ne venez pas tous en même temps. Non. Ok bon, c'est vrai qu'il y a personne là. Eux ils veulent pas mourir hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme armure. Ok. Hus. Oh putain. Alors ça les mecs c'était le fail de l'année. Ok, le vraiment le fort c'est vraiment un truc super dur. On va y retourner, on va réessayer. À mon avis il y a forcément une salle où on peut avoir peut-être des améliorations un peu comme là. En fait je sais même pas en soi c'est une amélioration mais vu qu'on a une moustache c'est stylé donc on va garder. Hop, ça se trouve en fait parce qu'à mon avis le fort c'est le dernier truc qu'il faut faire. Du coup voilà. Hop, on va continuer là. Alors toi, ok d'accord, toi par contre t'es... Ok donc ceux qui ont des trucs de calage là ils sont vraiment nuls. Ils ont les armures de mort. Ça va pas lui apparemment. Et voilà, genre personne m'a détecté. Mec limite je les tue tous. Merde, putain j'ai retiré comme le connard derrière. Ok je croyais que ça arrivait derrière. Putain. Ok. Très bien. Comment on va faire? Lui là, hop, on one shot. Oh. Oh on a trouvé la salle les mecs. Ça c'est la salle. C'est la salle de Dieu. Faire gaffe ça arrive pas derrière. Ok ouais ça arrive derrière. Ou sur le côté, oui voilà. Encore un coup, encore un autre. Ok eux ils sont vraiment résistants. Hein. Oula. Petit bug de souris. Ok eux ils sont vraiment vraiment très très résistants. Très bien, lui on va lui lancer un. Oui ça le tue pas tout de suite, mais ça. Enfin, je sais pas quel objet ça a été modifié. Mais ouais, et eux ils lâchent des petites munitions heureusement. Toi, attends, je pars derrière. Vilain. Ok, lui c'était un vilain apparemment. Hop. Hop, toi. Oh. 17 munitions. Oh, et un couteau, alors ça. Et le couteau c'est vraiment bien. Hein, parce que du coup, le mec, en gros, il prend ça, il est obligé de mourir. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme item, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, on va bientôt plus pouvoir courir par contre. Donc, du coup, on va essayer de. Pas se prémiter comme un connard, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est un feu de camp en fait, je suis con. le mec il croit trop qu'il faut taper dedans ou... Ah, là-haut. Un monsieur... Merde putain, je tire une autre balle, bon ça va, on en a presque trop là. Ok, ici y a rien. On va continuer en haut, je sais pas s'il y a quelqu'un en haut. Il y a personne. Ok, très bien. Alors là, on en a quand même pas mal éliminé. Hein. Bon, en même temps, on y allait trois fois, vous allez me dire. Mais le mec, il allait beaucoup trop. Mais par rapport aux autres, c'est vrai, à mon avis, c'est ça doit être le peut-être pas le dernier. Oh, je sais pas, en vrai. Alors, quoi qu'en vrai, je sais pas. Mais ouais, ça doit être un niveau assez élevé, le fort. Parce que ouais, déjà, c'est assez... Oh, attendez, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, à mon avis, il en reste un, mais je sais pas où il est. Si on se met là et on fait danse, non, il veut pas. Il veut pas venir. J'avais entendu par là. Putain, mais je l'entends par là, il doit être bugué. Ah, mais putain, mais. Hein? Mais the fuck, le mec qui se cachait ici. Genre, le mec, aucun honneur, comment tu veux. Putain, mais. Comment tu veux que je regarde ici? Enfin. Please, quoi. Ok, bon, on peut avoir un coffre. Bon, au final, il servait vraiment à rien. Très bien, très bien. Et bah du coup le fort est à nous. Le fort est. Ouais, le fort est magnifique. Est-ce qu'on peut remonter avec la oula?
Ouais, non, faut mieux pas essayer, ok, j'ai compris. Du coup, par où on peut remonter avec le cheval là? Je sais pas trop. Hop, au pire, ce que vous savez quoi? Game mode 1. On va faire notre propre entrée, de toute façon, c'est notre château maintenant. Hop, voilà. Hop, et on repasse en deux. Et on va aller se venger sur l'ours, parce que bon, autant dire qu'il s'est un petit peu foutu de ma gueule. Il s'est un petit peu foutu de ma gueule et ça m'a pas trop plu. On va essayer d'aller le tuer. Je sais pas où il est. Attends, est-ce qu'il y a moyen d'aller là-haut? Ouais, il y a moyen, mais bon, ça sert à rien, quoi. Ok, très bien, on va redescendre. Hop. Et bah voilà, dans cette vidéo, on aurait été tout. On aurait été, voilà, on aurait été apprenti, tout, voilà, on était plutôt content. J'aimerais bien retrouver un ours. Mais du coup, je sais pas trop où ils sont. Ok, bon, bah l'ours a... Ne veut plus revenir les gens, du coup bah, on est plutôt je suis plutôt déçu. Moi qui était juste revenu ici pour l'ours. Ah si, il est là, regardez-le. Enfin oui, alors il était vraiment nul hein. Il était vraiment vraiment très nul. Hop, on jette ça. Et puis voilà, vous savez quoi? Non, balai avec le cheval. Allez hop, on tue Chanteuse. Non, on l'achèvera après. Bref, écoutez, ben c'était plutôt cool comme petite map. Alors certes elle n'est pas finie, mais voilà, comme je vous dis, la map dure vraiment très très longtemps. Comme vous l'avez vu à la fin, d'ailleurs on va aller voir. Hop, comme vous l'avez vu à la fin, bon là on meurt, on s'en balèque. Comme vous l'avez vu donc dans le truc là, le dernier endroit, la map dure en fait genre tout ça. Tous les drapeaux, vous voyez comme ça, bah c'est tous les drapeaux qui restent et on en a fait que 4. Enfin, et celui-là, on l'avait déjà de base. Donc, autant vous dire qu'il en reste 1, 2, 3, 4 là-bas, 5. Voilà, et on en a fait que 3. Donc voilà, bon, je vous mettrai bien évidemment la map dans la description, au cas où si vous voulez venir. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé cette petite map. Certes elle est pas finie, vous voyez tous les pistons, mon dieu, ça doit être juste un travail de fou d'avoir fait ça. En tout cas c'est vraiment vraiment très 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 bien fait. Ici je sais pas trop où c'est. Bref, en tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être qu'on fasse la suite un jour en live, pourquoi pas, pour faire les autres trucs. En tout cas voilà, vous voyez, on peut pas se TP hein. On aura fait, on va dire à peu près cette partie là on aura clean, après il restera bah, toute cette partie là. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert également pour cette magnifique moustache. Et puis bah, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Exa, bye bye.